En ce moment, dans le Massif des Morts, il y a un incendie dans le Var. Plus de 8000 hectares de forêt sont partis en fumée. Il y a des incendies en Grèce, en Turquie, en Algérie, au Maroc, en Californie, qui ont ponctué l'été. Moi, je suis convaincue qu'on ne pourra pas sauver la planète sans renverser le capitalisme. Mais il y a urgence. Est-ce qu'on peut attendre une révolution? On va hériter de ce monde, même, je veux dire, demain, si on a une société socialiste, elle va hériter des destructions en cours. Est-ce que, oui ou non, nous allons laisser les manettes de ce système productif dans les mains de la classe capitaliste? La loi du profit, la loi de la rentabilité, le productivisme, le marché, la concurrence, la propriété privée des moyens de production, les besoins du grand patronat, hein, des grands financiers, des grandes multinationales, la bourgeoisie, hein, l'exploitation des hommes, la course au profit, la remise en cause de la propriété privée, des grands moyens de production, exproprier la classe capitaliste, exproprier effectivement ces multinationales, d'expropriation des grands groupes capitalistes, cette société capitaliste, les capitalistes. Voilà, c'est très clair. C'est Nicolas Posner, je suis coordinateur de la communication à Utopia 56. C'est une association qui vient en aide aux personnes exilées et à toute personne en détresse, principalement des personnes à la rue. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Au niveau des violences qu'on a mis en avant ces derniers jours, d'une certaine manière, non, elles ne sont pas liées à l'arrivée des talibans ou aux questions de migration actuelles. C'est quelque chose qui est persistant depuis des années. Je vous le dis, parce qu'ils parlent très mal français, donc vous leur expliquez s'il vous plaît. Pour ce soir, ils prennent les affaires et ils quittent les lieux. C'est ils tout. Vont vous. C'est ça la question. La question pour aller ça, où? C'est l'éternel problème. C'est oui, mais pour aller où? Ailleurs qu'ici. Les entraves aujourd'hui qui sont mises en place, ne serait-ce que par l'État français ou par l'Europe, elles sont à chaque étape de la demande d'asile. Ces violences, elles sont constantes. Cette maltraitance, elle est constante. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.